Triste nouvelle pour le monde du cinéma ivoirien qui vient d'apprendre le décès de l'un des acteurs de la série Ma Famille d'abord, l'une des plus grandes séries que la Côte d'Ivoire ait pu concevoir. En effet, l'acteur Kwadio de la dite série aurait rendu l'âme en cette journée. Les causes et les conditions de ce décès ne sont pas encore connues par les internautes, alors c'est ce que nous comptons donner dans cette vidéo. Ma Famille est une série d'Akissi Delta qui voit son tout premier épisode diffusé en 2002 sur la chaîne RTI. Plus de 88% de personnes ont aimé cette série dans le monde entier. Cette série qui met en scène les relations conjugales et familiales dans le contexte des tensions qui surgissent entre la modernité occidentale et la vision traditionnelle. Tous les acteurs de cette série étaient déjà connus avant sa diffusion, y compris le cher Kwadio. Il a joué aux côtés Michel Gohou, Thérèse Taba, Guel Thérèse et plusieurs autres personnes. Il a joué le rôle de l'époux d'Amouin, la cousine de Gébazé Thérèse, dans cette série. Il a également été le concepteur du slogan « Le port d'Abobo ». Son décès est une bien triste nouvelle pour Akissi Delta, productrice de cette série. Les informations sur Kwadio sont très rares, presque impossibles à avoir. Nous ne savons pas s'il était marié ou s'il avait des enfants. Sa mort est survenue aussi soudainement que tout le peuple ivoirien est choqué et refuse de croire malgré l'âge du défunt. Nous souhaitons nos sincères condoléances à toute sa famille et beaucoup de courage.